Eh bien, salut les gars, c'est le retour. On attend un petit peu, on a lancé le live. On va attendre que quelques personnes rejoignent, s'il y a du monde qui va rejoindre. On est en live sur Twitch, bien évidemment. Le live sera dans la description si vous voulez me rejoindre un peu plus tard dans la soirée, ou plus tard dans la journée, ou un peu plus tard dans demain, ou un peu plus tard dans 2 jours, ou un peu plus tard dans 4 jours, comme vous le souhaitez. En tout cas, on va lancer le petit mode histoire, tranquillou, pépère. On a mis en mode normal, bien évidemment. On fera le mode difficile un peu plus tard, quand on aura fini le mode histoire. Et puis voilà, on va continuer. Putain, je sais pas pour vous, moi, mais les gars, ce jeu-là, je l'ai attendu pendant pas mal de temps. J'ai vraiment hâte de commencer. Et on y va, les gars. C'est parti, hein. Oh, ça commence direct. On commence direct sur l'île de Kaido. Aïe aïe aïe, stylé sur Wano Kuni. Bon, les gars, je vous le dis, je suis pas un pro du jeu, hein. J'ai joué vite fait au 3, au 2, au 1, je les ai fait tous. Non, déjà, c'est assez fluide. C'est vraiment génial. Mais une raclée au groupe des pirates. Ah, et putain, merde. Si je commence à aller dans la mauvaise direction, ça va pas le faire. On avait Kidza. Putain, le jeu est vachement fluide quand même. Il est vraiment génial. Si je peux vous le conseiller, les gars, si vous êtes fan de One Piece, les gars, ce jeu-là, il est fait pour vous, mais vraiment, les gars. C'est un délire. Avancer vers la zone, c'est parti. On va avancer avec Kid. Appuyez sur A pour sauter pour également un combo. Ouais, ça c'est les combos de base. Putain, comment il est vraiment bien ce jeu. Je voulais jouer quand il sortait là, à minuit sur Steam, mais vas-y, je travaillais à 4 heures ce matin, du coup pas pu. Certains bâtiments et les éléments peuvent être détruits. Ah ouais, et je me suis pas fait du tout spoil sur le jeu par contre. Hein. C'est genre j'ai pas regardé de vidéo, rien du tout, que dalle. Je voulais vraiment pas me faire spoil et genre. Oh là là. Appuyez sur B pour effectuer une charge puissante qui vous permet de repousser les ennemis en tout temps. Maintenez B pour augmenter les distances parcourues. Les charges puissantes peuvent être utilisées souvent pour vous déplacer, esquiver, attaquer. Charge puissante. Consomme de l'endurance. Ah ouais. Putain, ils ont ajouté pas mal de combos quand même. Parce que ça, je crois, ça y était pas sur le 3. Combattre des ennemis puissants. Les ennemis puissants possèdent une charge d'armure. Ouais, ça en connaît. Puis voilà. C'est tellement jouissif de jouer à des jeux comme ça. Ça te détend, mais à une puissance. Après une petite nuit de taf. Petite partie de Pirate Warrior là, ça détend. Bon, bon, bon. Ah là là, la Big Mom.
Maintenez R1 pour faire des techniques spéciales. Ça c'est nouveau ça. Vous avez activé l'option des techniques spéciales faciles dans les menus d'options. Vous pourrez effectuer une technique spéciale en appuyant sur RB. Si plusieurs choses de techniques spéciales sont tout chargées, vous pourrez activer une technique spéciale en appuyant sur RB. Aïe aïe aïe. En plus le jeu est vachement fluide. Hein. Et sur PC il est beaucoup mieux optimisé parce que je sais que sur le 3 il était vraiment archi mal optimisé sur le PC. C'était un délire. Tellement génial, allez. Putain. Bon, j'espère que ça bug pas trop sur le live. Du moins, je pense pas. On a quand même une bonne config. Hein. Putain, je fais du mauvais côté, je crois. Il a dit on continue, c'est parti. Ah, la fameuse Big Mom. Non, nickel. Ouais, bah d'accord, ok, ça marche, Milan. Parfait, alors. Alors, les jauges d'armure ennemie géante peuvent attaquer, peuvent être réduites uniquement lorsqu'ils sont en train d'attaquer. Lorsqu'ils commencent à attaquer, utilisez une charge puissante pour esquiver et attaquer. Lorsqu'une jauge d'armure est vide, un bouclier disparaît. Pourquoi une bouclier disparaît? Et l'ennemi entre les... Ok. On va esquiver. C'est parti. Certaines techniques spéciales placent votre personnage en état de charge. Il s'agit d'explosion d'énergie. Lorsque vous jouez une jauge d'attaque spéciale se vide progressivement, l'explosion d'énergie cesse. Ouais, je comprends ce que c'est. Je sais plus comment ça s'appelait sur le 3, mais c'était à peu près pareil. Il y avait un délire comme ça. Ouais, faut que j'apprenne des techniques. Putain, les cinématiques font pas mal, hein, mine de rien. Bon, c'est à un moment que vous entendez des petits soufflements, les gars, c'est normal, c'est parce que je fume la clope électronique. Putain, l'arrivée de Kaido! J'ai pas suivi le manga jusqu'ici. Ah oui, d'accord. Genre sur au niveau du manga, je sais pas pour vous. Après moi j'ai pas mal regardé les scans au bout d'un moment. J'avoue que les scans je me suis un peu arrêté. Attendez, parce que là c'est Tandax quand même, hein. On a la moitié de l'HP. Oui, il fait quoi? Ah là là, ouah, ça c'est génial ça.
Waouh, c'est tellement rapide. Tellement fluide et rapide à la fois. C'est génial. Kiffant, tellement kiffant de jouer. Après ça, ça c'est le tuto, donc à mon avis. On peut pas perdre là-dessus. Tellement génial les gars. La petite cinématique. J'ai l'impression d'avoir des pertes de FPS, moi, je sais pas pour vous. Vous me direz en commentaire sur YouTube ou alors directement sur le stream, mais moi j'ai l'impression d'avoir des pertes, des petites pertes de FPS. ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世は、まさに大海賊時代。 海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。 大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。 10年後。いやー、今日は船で日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。あいやいやいやいやいや。 Tellement de frissons de revoir ces moments-là, c'est génial. East Blue. Alors, partie en ligne. Quand Y en ligne apparaît en haut à gauche de l'écran, la fonction partie en ligne est disponible. Sélectionnez l'option trouver, joindre pour programmer. Ok, sélectionnez rejoindre pour chercher, normal, double base. Arc Alabasta. Ah, on commence direct par Alabasta. Bah écoute. Ça fait plaisir. Bon, les gars, je pense qu'on va arrêter sur cet petit épisode-là. Moi, je vais continuer de mon côté. Vous retrouverez les épisodes, bien évidemment, un peu plus tard sur YouTube. On va pas faire des épisodes non plus de 45 minutes, à part si vous jouez. Vous me le dites dans les commentaires. On fera des épisodes un peu plus longs. Mais là, pour le premier épisode, ça fait 21 minutes. Ça fait bien 20 minutes qu'on recorde, parce qu'on stream aussi, qu'on recorde. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.
Et à tout à l'heure surtout. À tout à l'heure les gars.